approchez-vous. Pardon. Allez, rapidement. Allez, je sais que peut-être là je suis à des habitudes à Drey. Après le match d'hier à Drey, bravo. Bravo. On n'a rien fait du tout. Juste, on a encore en vie. On était presque mort à 2 minutes de la fin. Ouais, je pense qu'on a fait un bon match dans l'ensemble et voilà. Et même si on a mérité de gagner le match et tout, mais bon, après voilà, c'est le football, voilà, c'est. Il y a des moments ça se passe comme ça et voilà. On se concentre pour le match à venir et on espère que on va prendre les 3 points le prochain match, Inch'Allah. Ouais. Le premier match c'était pas facile pour moi parce que vu la situation de l'équipe, du club. Mes coéquipiers, on ne s'est pas compris pour le moment parce que c'est le commencement et j'espère bien que tout ira bien, Inch'Allah. L'entraînement, il va y avoir 4 groupes, il va y avoir les gardiens de but, 1, 2, 3, ils vont les travailler avec le patron. Après, ceux qui ont les maillots bleus et les maillots blancs, ils vont faire un échauffement avec Mustapha, puis ils vont toucher un petit peu le ballon. C'est la date que tu m'as dit, Jida. الفريق كله متجانس مع بعضياته لا بالنسبه للاعبين الجدد ولا بالنسبه للاعبين القدامى الحمد لله كان واحد التفاهم كبير وبالنسبه للمقابله الاولى ضد الزمالك كانت جد صعبه نظرا لانه الفريق المصري كان لعب امام الجمهور ديالو في الدقائق الاولى كانت واحد السيطره قويه وعنيفه على الفريق الفتح الرباطي ولكن الحمد لله الدراري امتصوا الحماس ديالهم ouais mais moi c'est pas moi le but c'est pas le plus important voilà l'important c'est le collectif et tout voilà c'est ce qui compte voilà il pense que c'est le but il vient à cause de mes coéquipiers et tout voilà donc voilà, il a dit merci pour ça quoi après c'est ensemble qu'on gagne c'est pas ça pouvait être quelqu'un d'autre pas moi voilà. Donc le plus important c'est le collectif pour moi. Ouais. Le premier match c'était pas facile pour moi parce que vu la situation de l'équipe, du club, mes coéquipiers, on ne s'est pas compris pour le moment parce que c'est le commencement. Et j'espère bien que tout ira bien, Inch'Allah. Équipe, voilà, parce que disons que voilà, tout le monde connaît l'équipe des Zamalek, c'est une grande équipe et tout. Et voilà quoi. Mais bon, voilà, quand on est dans un tournoi, on regarde pas ça, on est plus concentré sur ce qu'on doit faire nous-mêmes. Et voilà. Et voilà, on a eu un match nul. Là, on va se concentrer pour le prochain match, Inch'Allah. Ouais, la prestation de l'équipe hier, ça m'a impressionné parce que vu une touche de balle, 2 touches de balle au fond du jeu, et vraiment ça m'intéresse moi. Et c'est une équipe qui joue comme disons le Barcelone, comme on dit. Et vraiment moi j'adore le système de jeu du coach. Prochain match, comme je l'ai dit, ouais, on a besoin de prendre 3 points, voilà, qui va nous faire beaucoup de bien. Donc voilà, déjà on est conscient, voilà, mes coéquipiers, moi, ils pensent qu'on est conscient pour ça et voilà, on travaille pour
pour ça, quoi. Je pense que Inch'Allah, le prochain match, on va avoir les 3 points, Inch'Allah. Ouais. Le prochain match, Inch'Allah, vraiment, on s'est étudié. La collectivité, je pense que tout ira bien avec le deuxième match et le second match. Inch'Allah, on va le rapporter. Vraiment, je me rassure, que je vous rassure. Vraiment, et le deuxième et le second match, ce sera une efficacité pour moi, Inch'Allah.